fait, je savais ce que je voulais faire, mais je savais pas comment ça s'appelait. Je savais pas quel métier faisait ça. Fait que c'est sûr que, dans le fond, les orienteurs m'ont expliqué que ça prenait, ça fallait être ingénieur, puis c'était beaucoup d'études. Même ma mère m'avait répété que c'était beaucoup d'études. Elle était pas certaine parce que moi, en fait, après mon secondaire 5, je suis parti en Colombie-Britannique, puis je pensais pas continuer les études après ça. Fait que c'était vraiment un cheminement qui est comme réapparu dans ma vie. Fait que l'ingénieur, pour moi, c'était pas le titre d'ingénieur avec la job puis le salaire qui vient avec, mais plus la possibilité de pouvoir créer. Fait que c'est vraiment ça qui m'a amené dans ce domaine-là. En voyant mon parrain, en fait, venir chez moi fabriquer des meubles sans avoir le plan, je me demandais vraiment comment il faisait pour couper tous les morceaux puis que ça arrive puis que ça fonctionne bien du premier coup. Puis, pour mon cadeau de 8e anniversaire, il m'avait fabriqué une boîte à savon, vraiment belle, avec un système de contrôle dessus. Puis, c'était vraiment à partir de là que je me suis toujours donné un peu l'idée de comment on peut fabriquer les choses, comment on peut développer les trucs. C'est ça, en fait, Félix et moi-même, on a parti 10 au carré. En fait, 10, c'est pour le design, l'ingénierie, et X, c'est la rencontre de l'art et de la science. C'est vraiment là-dessus qu'on se base pour faire notre présentation de notre entreprise, puis aussi le développement qu'on fait ici à l'interne. Donc, 10 au carré, c'est un service d'accompagnement en conception, en fabrication, en développement de produits, beaucoup autour du monde du divertissement. En fait, notre mot à nous, c'est design et ingénierie du divertissement, mais avec nos deux forces combinées, on est capable de faire autant de l'aménagement, on a fait de l'ameublement, on fait un peu de tout. Le processus de création chez 10 au carré, ça commence ici, dans la mezzanine, où on va faire, c'est l'incubateur à idées. C'est ici qu'on va faire les rencontres avec les clients, qu'on va développer les idées, qu'on va faire la conception, la modélisation. Ensuite, l'atelier est séparé en trois sections. La première section, c'est vraiment la fabrication. On a deux machines de découpe CNC, imprimante 3D, on va fabriquer les morceaux. Ensuite, on fait l'assemblage, la finition. Puis au fond de l'atelier, on a une zone de test pour pouvoir tester les équipements, les appareils de cirque, vraiment où on a un grid d'accrochage au plafond. Fait qu'on peut vraiment faire le processus complet de création de produits ici à l'interne. Puis s'il y a quelque chose qui se passe, on peut faire des ajustements, on peut revenir ici dans l'incubateur à aider puis revoir l'idée. On a eu des belles réalisations. Ici, on a fait pour le musée Grévin, le musée de cirque qui vient d'ouvrir au centre Eaton, au centre-ville de Montréal. On a réalisé entre autres une rampe qui tangue. Donc pour accéder au bateau de Jacques Cartier, on a une rampe. Puis quand on embarque sur la rampe, c'est comme si on était sur l'eau, fait que la rampe elle bouge. On a fait aussi une réplique de la Formule 1 de Gilles Villeneuve, une maquette à l'échelle 1:1. Puis pour dire comment on balaye large, on a fait un de nos premiers projets qu'on a réalisé, c'est avec la boutique à bière pour Rome Clusier. Fait qu'on a fait tout l'aménagement intérieur de sa boutique. On va jouer autant dans le design que dans l'ingénierie. Ce qui est intéressant chez 10 au carré, c'est qu'on applique le processus de design et d'ingénierie à une panoplie d'objets. Fait qu'autant des objets de tous les jours comme des tables, on a fait entre autres une sculpture sur la rue Mont-Royal qui était un sapin de Noël musical avec des cloches. Fait qu'en fait, l'approche d'ingénierie nous permet de créer une structure qu'on sait qui va être assez rigide, qui va être assez résistante aux intempéries. Puis en même temps, on peut faire des appareils acrobatiques pour le monde du cirque où il y a vraiment un processus d'ingénierie avec des calculs structuraux. Fait que c'est une manière un peu pour nous de démocratiser l'ingénierie et de le rendre accessible aussi à plus de personnes que par exemple les grandes firmes d'ingénierie où les gens n'ont pas vraiment accès. Donc, le fruit de la coopération entre Félix et moi, c'est vraiment où moi j'apporte le côté structure, matériaux, performance. Puis Félix apporte le côté expérience, l'expérience de l'utilisateur, parce que le design c'est ça l'expérience, c'est qu'on développe un objet dans le but qu'un utilisateur l'utilise puis qu'il ait une expérience positive par rapport à ça, autant que lui influence la manière qu'il utilise l'objet que l'objet influence dans sa vie de tous les jours. Puis à ce niveau-là, nous on fusionne vraiment nos deux forces ensemble de concepteur artistique et de concepteur technique pour réaliser des projets à la réalité. Oh, my God.